je reprends ma semaine. Elle reste là. Demain, c'est la fête de la musique. Il y a la musique dans toute la France. Elle ne peut pas se faire plaisir. Elle écoute, son hein. Problème. Elle écoute ce que tu dis. Hein. Elle écoute ce que tu dis. C'est son problème. Ils sont tous là à la fenêtre accrochés. Ils ne commentent pas. Ils sont là nombreux. Ouais. Les pleurs. Les pleurs de ça. Je dis que cette femme, hein, elle ne voit rien d'autre à femme. Et pourtant, elles sont à la région parisienne. Mais pourquoi elle aime manger le pain aussi comme ça? Comment une femme peut manger deux baguettes de pain? C'est pas bien, elle a l'appendicite. Hein? Elle met le barbe d'escargot sur ça. Elle mange avec le barbe d'escargot. Et voilà que c'est la nouvelle mode. Hein. Même Defao dit que son jansan c'est la barbe d'escargot. Kochi Kouta dit que son savon c'est la barbe d'escargot. La barbe d'escargot sur nous maintenant dans Facebook. J'aime ouais. Quand Marie dit ça, c'est pour que je suis... La barbe d'escargot sur nous maintenant. Elle te dit que... Oh, si tu ouvres ta bouche avec la barbe d'escargot. La barbe d'escargot sur les gens. Qu'est-ce qu'on vous avait fait ouais. Dans les Camerounais? Ouais, Seigneur. Ouais. Je dis que... À femme, je vous dis la vérité, toi et Marie, je vous trouve dans Facebook, je pense comme tu avais 50 profils, je regarde dans tous les profils. J'ai dit que le direct que Marie a fait hier, j'ai écouté tout ça dans la ville. J'allais mourir de rire, j'ai dit que ouais, les gens, c'est... Ah. Marthe, c'est Donald Trump. Avant, c'est Warriors qui me faisait rire, mais depuis, je ne regarde plus Warriors. C'est vous qui regardez plus. La barbe d'escargot sur les pains, mon frère. Deux pains avec une petite tache de lait. Je me demande qu'elle prend même la salive. Oui. Et elle est là en live. Hein. Elle mange ça. Elle ne rit même pas. Mon. Elle allume. Elle vient sur la tête et dit que ouais. Quand elle coupe comme ça, elle dit je l'aime tout bas. Tu es où? Appelez-moi André M. Touba. Touba m'a bloqué. Dolène, dis-moi ce que tu l'as fait vraiment. Ma chérie, je te jure que si moi-même on me dit, je ne sais pas, c'est l'écrit, je dis que c'est l'écrit. Ma soeur, Facebook, ce n'est pas bien, ma soeur, tu comprends, non? Même vous qui êtes dans les faux profils, si vous êtes accro sur Facebook, et vous regardez toujours les directs de la haine, vous allez, ça va vous contaminer. Tu comprends, non? Je dis que la femme de Kroti Krotala, elle n'a rien d'autre dans sa vie que Facebook. Moi, j'ai mes réunions, hein. J'ai mes réunions. Kroti Krota. Je dis que le week-end passé, j'avais l'anniversaire à Paris, j'avais une réunion à Paris. Ce week-end, si je suis à Lille, j'ai la fête de la musique demain, là, ce vendredi-ci, dimanche, samedi, j'ai la réunion. Donc, je vois autre chose, je m'épanouis. J'ai au moins une réunion où je m'épanouis. Mais eux, ils n'ont rien d'autre que Facebook, hein. Rien d'autre. Ceux qui veulent monter, envoyez la caméra, hein. C'est la veille. Ceux qui veulent monter, envoyez la caméra. Ils ne sortent pas. Donc, quand ils me voient comme ça, ils voient comment je suis avec mes deux tonnes là. Je suis toujours rayonnante, ça les choque. Mais tu sais que les personnes qui sont fortes là sont des très belles personnes. Tu le sais, hein. Afam, tu sais ça, non? Ma soeur, regarde même Kroti Krota, quand elle s'habille, elle porte un habit. Tu vas voir que le jour là, elle m'a appelé mon nom. Dolem Touma, viens voir. Viens. Ah oui, c'est vêtement délavé là. Il faut qu'elle change sa garde-robe. Quand je viens de voir, je vois les habits et les habits qui ne vont pas avec elle. Elle ne connaît pas son corps. Elle dit que. Une grand-mère, ouais. Elle se sent aussi. Elle porte c'est les habits avec les fesses qu'elle a là. Elle porte les habits collant sur elle, croisée. Va voir ma pépé. Va voir Dolem Yondo. Je reste comme ça. Je suis plus grosse que toi, je suis même là. Mais nous, que il faut donner aussi, il faut lui donner aussi les conseils, alors non? Pourquoi tu la laisses aussi? Je sais mes habits qui vont avec moi, même pour être sexy, mais je sais aussi, me mettre à cette... Donner aussi les conseils avec, il faut partager avec elle, non, Dolé? Dolé, il faut partager ton savoir-faire avec elle. Elle écoute, alors elle m'insulte. Hier qu'elle a commencé à porter les lunettes, elle est venue me montrer comment porter les lunettes. Donc tu vois les gens calés. Moi, ça fait plus de 20 ans que je porte les lunettes. Les lunettes, pour moi, ce n'est pas le Niagara. Elle, tu sens que même les lunettes, là, hein, ça fait pour elle le Niagara. Bon, alors, mes chers amis, je n'ai pas l'habitude, mais je vais devoir vous laisser. Moi, je suis montée pour framponner Dolé pour qu'elle me parle l'anglais. Hier, avant, chez Michel, elle a parlé l'anglais. Tout le monde était mort derrière. Non,
Mais les filles n'ont pas cette pourquoi. Que eux, ils peuvent me... On m'a amené CNN, on m'a amené CRTV. Je suis partie chercher Equinox. Equinox. C'est ça, je dis, oh moi, la femme, c'est là, elle, je sais pas moi. C'est Michel qui est finalement resté. Moi, est-ce que moi, je suis resté derrière? Moi-même, j'étais dedans. Michel a dit qu'elle peut parler son espagnol. Bon, voilà. La femme, il faut regarder ça. C'était un bon live. Là. C'était vraiment très bien. Là. Je te dis. Il y avait plein des Anglais dedans. Il y avait, c'est là où j'ai compris que même les commentaires, beaucoup de monde écrivait anglais. Ben, c'était chaud. La femme hier. Le Cameroun est très bilingue, Ndolé, c'est ça. Donc, moi-même, j'ai commenté en anglais là-bas. Et qui a bouffé le Njangui là-bas? Qui a bouffé le Njangui? C'est Defao. Ah, c'est Lolo qui bouffait le Njangui. On parlait de Lolo. Mais on parlait, est-ce que c'est parce qu'on disait que ce n'est pas bien, même si vous avez des problèmes avec elle, est-ce que c'est bien que est-ce que c'est bien ce qui lui arrive là-bas? Donc c'était le débat là-bas. Donc chacun donnait son point de vue, mais Lola était en train de s'envoler, mais pas dans son cœur. Voilà. Tout ce que tu disais, c'était pas dans ton cœur, Ndolé. Non, on est dans le game, non. On est dans le game. Il ne faut pas montrer que tu vois un peu le genre, non. Edith, dès que nous, on commence à pleurer, on pleure quoi? Que quand ça nous regarde, eux, ils pleurent. Mais Edith, moi, j'aime bien Edith, là, mais ce qu'elle faisait hier, là, c'était pas normal. Mais... Même pas du tout. Ça n'avait pas sa place. Edith, elle vient nous... Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Non, c'est qu'elle disait que tous les blogueuses ont fait du mal, ont fait ceci, mais c'est pas la même chose. Les blogueuses ont... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent. Même aujourd'hui, j'ai expliqué que les insultes, voilà, ne sont pas identiques, hein. Les insultes sont différentes. Il y a les insultes banales. Il y a les insultes, voilà, on passe dessus. Mais quand on insulte, il y a les parties génitales, c'est pas la même chose. C'est différent. Donc, si c'est ce qu'elle a fait, moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que... Enfin, voilà. Même les gens qui insultent les mamans, là, c'est grave. C'est ça. Flo de lui qui amène les goudes. C'est Flo qui salit le nom de la femme camerounaise. C'est elle qui vient avec les goudes en live pour la première fois. On ne peut pas dire que les blogueuses sont la même chose. Non, chacun doit porter, assumer ses actes. Jamais. Elle ne fait pas dire que c'est la même chose. Je ne coupe pas la parole, c'est ce qu'on faisait savoir à Edith, mais elle n'acceptait pas. Jamais. Non, mais c'était à tort, elle n'acceptait pas. C'est ça, elle n'acceptait pas. Moi, j'ai dit, bon, moi, je n'aime pas comme ça, j'aime pas. Ça veut dire qu'elle supporte le mot. Elle pensait qu'elle allait nous embrouiller avec l'anglais, elle ne savait pas qu'il y avait English people for them direct. Enfin, les filles, elles ne parlent pas English. Non, c'est grave. Elles embrouillent. Écoutez, je dirais que la femme, c'était trop bien. Vu que vous parlez comme ça, ça me choque. Les filles, là, sont montées vite. Il y avait d'abord une qui a parlé un anglais. Tu sens que c'est un anglais qui est mélangé avec Equinox, CRTV, Canal 2, un peu tout là. Non, tu vois, celle qui est montée, la deuxième qui est montée, là, elle parlait l'anglais vraiment américain. C'est ce que je dis que la première est venue avec l'anglais qui était mélangé avec CRTV, Canada, Equinox, Je ne sais pas si elle est en anglais, je ne sais pas, aucune idée. Mais celle qui est montée la deuxième, maintenant, c'est vraiment... Edith aussi, Edith roulait seulement CNR. Est-ce que nous on passe à Romain, Welcome, go. Merde, les filles ont vu que non, ici, là, des filles, tous les Américains sont montés. C'était la course. Après, quand je travaillais, je suis partie. C'était ma pause était finie. J'ai dit, ok, bah. Edith a alors eu une AVC, une Américaine qui est montée. Mais je pense, à un moment même, Edith n'entendait plus ce qu'elle disait. Hein. C'était grave. Edith pensait qu'elle allait battre le record. Je ne savais pas qu'il y avait plein des anglophones qui nous regardent en caïman là. Les gens ne parlent pas, ils ne commentent pas. Ils sont là, ils écoutent. On voit tout ce que vous faites, Ndolé. Les gens voient tout ce que vous faites. Oui, on voit. Direct, même les commentaires n'étaient plus en français. À femme, c'était grave. Ouais. Non, les gens, vous êtes suivis. Oui, Afam, je t'ai dit, c'est la première fois. Pourquoi? Parce que j'ai vu Ndolé dans ton live. C'est la première fois depuis que je suis sur Facebook. Je regarde souvent les... Je suis jamais montée dans un live. Si tu te rappelles, une fois, je commentais, il y avait ton aigle que j'aime beaucoup. Là, je lui dis que je l'aime beaucoup. Oui. Elle croyait que j'étais un homme. Hein. Pourtant, mon nom, c'est Maxime.
J'ai dit que après voilà, le direct était gâté. Et j'ai dit que qui va se négliger? Je suis entré. Massa Tokok, Mami Tokok. Aïe, aïe, j'ai dosé mon pidgin là-bas correctement. Non, c'était Pidgin News Equinox. Ah, mouf. Je ne suis pas négligé. Quand l'aigle voyage monte, c'est les pleurs. Tous les gars là pleurent quand l'aigle voyage monte ici. Là, c'est la panique, les pleurs partout. Ton aigle n'est pas là, ma femme. Elle n'est pas là. Non, moi, l'aigle n'est pas. L'aigle, elle a dormi, endormi. L'aigle sort quand c'est dangereux. La femme, c'est qui ça? Orisha. Ah. C'est l'aigle royal, non? C'est Orisha, l'aigle, non? Et quand l'aigle arrive ici, là, Kikinette va pleurer jusqu'à Dukamé, va pleurer le matin, c'est les pleurs partout, là, toi. Même Orisha, là, souffre dans leur main. Mais quand elle fait bim une seule fois, elle fait un direct, c'est les pleurs partout. Alors, et il ne supporte pas. Oui. Oui. Bon, ok, bon, je vais vous laisser. N'oublie pas de donner vraiment des conseils comme je l'ai demandé là, s'il te plaît. Non, bien sûr, il donne toujours. Il donne toujours. C'est parce que tu ne le suis pas. Il donne toujours. Moi, je le suis. Hein. C'est pas que je suis à femme. La personne que je suis dans les réseaux sociaux, c'est à femme parce que sa façon de parler, tout ça, il n'est pas agressif, quoi. Tu non, il donne toujours. Même quand il framponne, toujours, il donne les conseils. Ça m'énerve souvent quand on était à l'église. Mais moi, je vais vous laisser, mais je vais toujours rester à la fenêtre sur vos lives. Il n'y a pas de problème. D'accord. Nous sommes des caïmans. On vous regarde quand même. Ok, merci. Ça envoie de rien. Hein. Ça envoie de rien. Mais oui. C'est ce que je voulais dire. La femme a coupé. C'est ce qui est là que nous-mêmes, on envoie les cœurs, on partage aussi. Parfois, je partage. C'est vrai que je ne partage pas beaucoup. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne partage pas. Hein. Envoyez aussi les cadeaux. Hein, parce qu'à TikTok, on donne les cadeaux. Vous ne nous donnez même rien ici. Non, je ne connais même pas TikTok. Je suis pas là. Faites même souvent les cadeaux. Ça nous motive aussi. La femme n'a pas des étoiles, mais tu peux quand même il a le PayPal. Un tour, ça motive aussi les blogueurs. T'inquiète pas, Dolé. Je suis à la fenêtre, t'inquiète pas. Le jour que je vais envoyer, tu vas voir. Bisous alors. Bon, alors, bisous à vous tous. Enfin, merci et bonne soirée à vous. Bye bye. Bye. Merci. Enfin, ta collègue Maté n'est pas encore fini le film. Elle est là en commentaire. Je pense que peut-être elle s'occupe encore peut-être des petites choses de la maison. Enfin, descend la soeur. Ah, elle descend. La soeur qui était là, qui vient de parler là avec nous. Oh. Elle est au-dessus. Je ne peux pas la faire descendre. Il faut qu'elle descende. Il faut qu'elle descende. Elle éteigne le téléphone carrément. Et puis voilà. Mais comme. Ma soeur, voilà, c'est bon. Oui, Nicole, vas-y. C'est Nicole. Ah, elle est repartie. Elle pensait que c'était elle que tu parlais. C'était Nicole, mais elle est partie. Bonsoir, elle est partie. Elle est partie. Hey! Ouais. La vie de l'homme. Ne ment pas. En tout cas, elle est partie. Le Nicole qui est monté, mais elle est partie. J'espère que son téléphone ne dérange pas. Ah, femme, ton affiche là dit que tu vis en Angleterre. En Angleterre. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'endroit où je me trouve. Hein. Ah, femme, c'est sûr que Nicole pensait que c'est de elle qu'on dirait que. Un déchet d'abord. Non, ce n'est pas elle qu'on disait. Envoyez-le. C'est la veille, non. Sauf si vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, on ne va pas dormir. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que Kikinette à la fenêtre, il est là. Il ne dort pas bien. Il ne mange pas bien. Finalement, je ne sais pas ce qu'il veut. Le temps que tu es dans mon direct, tu devais être en train de dormir. Mais non, tu ne veux pas dormir. Quelqu'un est toujours derrière moi comme si je suis Sanga. Ça, c'est la sorcellerie. Attends, on peut faire. Je suis. Le Mbunga dit à Dukamé que non, ne demandez pas pardon, mais j'étais mort de rire. C'est Mbunga qui dit à Dukamé de ne pas te demander pardon. Oui, il dit à Dukamé de ne pas me demander pardon. Il dit que non,
Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça, chérie. Tu ne peux pas me faire ça, mon amour. Ma femme s'est pris. Tu m'as dit de ne plus partir là-bas. Je ne suis plus parti. Pourquoi toi, tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce que je vais devenir? 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 Ne fais pas ça, du camer. Ouais, Albéry. Me voici ici au Nigeria, Albéry. Viens me donner les carreaux, non? Ouais, Albéry. Maman, le nom de ça, Ndolem Yondo. Si tu connais la personne qu'on appelle Albéry, maman, la beauté de ça. Elle a choisi, elle, le profil. Le nom de son profil, c'est Albéry, maman. Viens me sauver, non, Albéry. Viens m'enlever ici au Nigeria, non? Viens même m'inviter à Lyon ici, que viens d'abord au Nigeria pour enlever le sandal. Elle est quand tu comptes, appuie les plus. Nicole. Oui, c'est Nicole, mais j'ai donc dit à la Lyon qu'elle vient même au Nigeria. J'ai les Kaolo. Au Nigeria, c'est pas dur de venir. J'ai dit au Nigeria, mais viens un peu dans la Lyon. Je suis quand même un Dieu ici au Nigeria, mon frère. Et t'as même mangé le égoussi avec le bono soupe. Mais elle ne veut rien. Appelle au banc. La Lyon du Dieu. Eh, Albéry, viens me chercher au Nigeria, non, Albéry. Tu me donnes, tu me carolotises et deviens ton chocolat. Hein? Voilà des pharaons qui dit qui veut que la lionne vienne vendre le piment. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Voilà des pharaons. Okay. Bonjour. La lionne n'a même pas encore vendre le piment. La lionne a déjà mal au dos. La lionne a déjà mal au dos. Elle va vendre le piment avec une force. Elle des pharaons. Tu es méchant. Hey. Non, Nicole parle. Moi, je ne parle plus la fin ici. Nicole parle. Parce que la fin que des pharaons voulait que. La lionne des mangos, le pépé, là, moi, je ne peux pas accepter ça. Non. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Enfin, bonjour. Maman de la Mionde, bonjour. Bonjour à tes fans qui sont encore là. Oui, enfin, bien suivi ton dit. Si tu ne t'avais pas mis long, quand tu as fait ton premier live, tu es en train de me conseiller et tout. Signalé. Après le semaine. Hein? Ils ont même signalé, là, c'est coupé seul. Oui, il y a des condamnés qui pas. Après, tu as le monde dans mon frère. Maintenant qu'il vient nous rouvrir, que tu as encore en ligne de profil, il faut te dire. Voilà. Mais je dis, enfin, merci pour tout ce que tu fais, le combat que tu fais pour moi et tout. Sinon, je ne mérite pas. Par rapport à la vidéo que tu as vu que je fais là, les gens ont mal compris ma vidéo, enfin, les gens ont interprété ça mal, tu vois. Le jour que mon technicien a arrangé mon téléphone, tu vois, et qu'on m'avait resté, on m'avait signalé là. Parce que si je ne partais pas voir le monsieur, je n'étais plus capable de faire le direct sur Nicole Pio. Après, quand le gars a arrangé, j'ai fait une page, tu vois. J'ai vu comment Longoy a dit que je suis un enfant maudit, que tout ça, que j'ai fait le direct. Et que j'ai dit que si mon enfant, si je suis maudit, c'est que je ne vais pas concevoir Marie Aurora. Bon, par rapport aux gens qui disent que non, je préfère la cagnotte que le combat de ma mère. Non, les gens m'ont dit. Vous savez que le français parfois est latique. Et puis, j'avais pas le temps pour refaire la vidéo. Et je vais refaire la vidéo pour dire que non, les gens ont mal compris mon sens. Tu vois un peu, non, enfin, ouais. Les gens ont mal compris mon sens. Les gens se sont dit que peut-être que c'est la carrière qui m'intéresse plutôt que le combat de ma mère. Ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Tu vois un peu, non. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire une autre vidéo demain pour reparler de la même chose. Et enfin, et puis te dire, comme tu as dit que, oh, Nicole, tu as framponné pipi, puis que. Non, il y a lui. Non, Afam, c'est pas. Hey, Afam, j'ai fait la parodie de Ngoy. La parodie de Ngoy, c'est ça qui m'a coûté ma page. Tu vois. Et c'est même parodie, là, elle-même l'autre jour, elle s'est mise sur le miroir. Elle a dit, est-ce que mes abeilles chou, est-ce que j'ai les mauvais pieds? Non, elle a les mauvais pieds. Mon frère a les mauvais pieds. Elle parle à ses abeilles pour dire que, est-ce que moi j'ai les mauvais pieds? Elle a les mauvais pieds. Elle dit ça. Donc, ça, ma parodie l'a touché. Enfin, ma parodie l'a touché, tu vois. Oui. Donc, avec elle, je ne veux pas mollo parce que j'ai trop de balles sur lui. Okay. Tu vois. Et enfin, tu passes, si tu montes mon téléphone, tu peux compter combien de coups de fil j'ai en une journée qu'on me demande de la laisser. Les gens m'appellent tous les jours. Nicole, laisse ta patience à moi. Nicole, vous pensez que c'est pas moi? Je ne vais pas la laisser. Moi, je ne vais pas la laisser. Mais les gens m'appellent tous les jours. Nicole, laisse-la. Il dit que parfois, même, je bloque même les gens jusqu'à. Et te dis. Nicole, tu sais pourquoi je dis que tu laisses? Je ne veux pas que ce qu'elle t'a fait se transforme en haineuse. C'est ça. Tu comprends, non? Il ne faut pas. Il ne faut pas que ça te transforme en haineuse. Mmh. Il ne faut pas. C'est pour cela que quand tu veux parler, je ne t'empêche pas de parler. Mais si tu me demandes que maman de la mienne, quel que tu en penses, je vais te dire laisse. Pardon.
Tu comprends, tu vois un peu, à femme, ce que je veux dire, non? Bien sûr. Parce que c'est elle qui sait ce qu'elle a vécu. C'est sa mère, ce n'est pas ma mère. C'est son histoire, ce n'est pas mon histoire. Donc, quand elle veut se défouler, je ne l'arrête pas. Je lui laisse se défouler. Mais quand elle finit de se défouler, elle revient vers moi. Elle vient me parler pour qu'elle attende ce que je vais dire. Je vais dire, ma laisse. Tu comprends, femme, ce que je veux un peu expliquer là. Voilà. Je vais dire, ma laisse. Mais, parce que c'est la personne-là, c'est quelqu'un que si tu restes sur elle, ça va te détruire. Quand je dis que ça va te détruire, ça veut dire que tu vas perdre le temps à la combattre. Et pourtant, il faut être stratège. Stratège, ça veut dire quoi? Tu la bouffes quand tu veux. C'est comme ça que je fais avec, on appelle ça que quoi. Mais les gens qui me mettent, qui se mettent à non. Comme là, j'ai bien bouffé et cela. J'ai bien bouffé Croti-Crota. J'ai bien bouffé, comment il s'appelle, Mbunga. C'est les gens qui me suivent tous les jours, je ne réponds pas. Aujourd'hui, là, je les ai bien. Demain, je ne vais plus parler d'eux. Ils vont m'insulter pendant toute cette semaine, tout le week-end. Après un autre jour encore, je dose encore. Parce que si tu restes, dis que tu vas faire ce que Croti-Crota a fait là. Comme là, il y avait Croti-Crota avec ma pépé et moi. Elle t'a rajouté dans la liste. Donc, maman, je l'aime bien. Donc, quand tu comptes, c'est depuis 2022 que c'est dans sa liste. Depuis qu'elle parle de moi depuis des années. Donc, là où elle est là, elle ne peut rien faire d'autre que de parler de nous trois. De nous parler de nous trois. Son blog, sa vie n'est que fouiller ce qu'on fait et pour parler. Si tu fais ça, ça va te perdre le temps. Et ça va. Maman, je vais demander si un enfant de 4 ans. Parce que les gens disent que non, Nicole, que c'est parce qu'elle a les bosses que tu avais parlé d'elle, tu avais parlé d'elle, maman pépé. C'est qu'elle a même mis sur ma mère, même pipi. Elle n'a pas pu dépêcher de ça. C'est-à-dire qu'elle sortait. Moi, de même, moi, je veux qu'elle sorte les bosses, maman. Elle n'a plus rien de. Elle a dit qu'elle a les bosses. Elle a dit qu'elle a les bosses. Elle a dit qu'elle a les bosses du serpent de ma famille. Donc, elle sortait ça. Elle dit seulement ça aux gens qui ne connaissent pas. Moi, je sais qu'elle n'a plus rien de. Ce n'est pas, votre famille, pour qui en vous, vous ne ressentez pas, c'est quand on va toucher quelqu'un de votre famille que vous allez ressentir ça sur vous. Vous ne ressentez pas. Venir mentir sur un enfant de 4 ans que son père a fait des attouches, vous pensez que moi ça me tape. Mentir quand tu ne peux pas encore la laisser maintenant, maman, je ne peux pas encore la laisser. Mais d'avoir sorti, d'avoir les balles que j'ai sur elle là. Même pipi, là, elle a dit qu'elle avait sorti le grand feu de l'audio, elle ne me connaît pas encore. L'audio qu'elle a dit qu'elle va boycotter, elle va boycotter la télé de pipi, elle va sortir ça bientôt. Afam, moi, avec elle, moi, je cours mollo. Afam, est-ce que c'est aujourd'hui que tes amis s'achètent? Donc, tu es là quand avant même que cette femme ne sorte sur moi. Non, tous ces amis, c'est ce que tu as de 4 ans sur ma personne et mon enfant. Avec mon enfant, avant qu'elle ne sorte sur moi. À mon avis. Il faut que les gens arrêtent l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie pour dire qu'on est plus Nicole, attends, Nicole, écoute. Il ne faut pas en vouloir des gens qui vont te dire de laisser. Comprends ce que je vais te dire, c'est ça que c'est le faux pas que tu commets souvent. Ça veut dire que quoi, quand quelqu'un te dit laisse, tu en veux à la personne, n'en veux pas à la personne, mais toi tu sais ce que tu veux. Et si la personne, c'est comme quelqu'un qui te donne les conseils, tu écoutes, mais tu ne respectes pas. Que les gens vont venir t'arrêter quand tu veux framponner, non. Mais la sérologie, laisse seulement. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais toi, tu sais ce qui va te faire du bien. C'est comme une personne qu'on donne les conseils. Est-ce que quand on te donne les conseils, on te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça veut dire que c'est la personne qui va faire à ta place? Non. C'est toi maintenant qui sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Mais n'en veux pas aux gens qui te disent de laisser. Il ne dit pas ça avec un mauvais sentiment. Tu le dis devant toi. Mais peut-être que ce n'est pas ce que tu vas entendre, mais au moins tu vas les dire, tu vas les laisser. Laisse-les quand même te dire ça. Mais après, c'est toi qui prends la décision. Ou tu vas laisser, ou tu ne laisses pas. C'est tout. Regarde le soir de pipi. Moi-même, je t'avais dit, mais laisse. Tu as dit que tu ne laisses pas. Est-ce que je t'ai tapé pour ça? Non, maman de la mienne, vous savez que l'histoire des pipis, j'avais raison. Même pour l'ongoy, c'est moi qui ai raison. Même pour l'ongoy, c'est moi qui ai raison. Nicole, ce n'est pas question d'avoir raison ou pas. Ce n'est pas question. Peut-être tu n'es pas en train de comprendre la différence. Ce n'est pas question d'avoir raison ou pas. C'est question que. Oui, maman. Pour moi, l'histoire de pipi,
Tu as, on dit, les anglophones disent qu'ils donnent douf. Ça veut dire que pour moi, tu as déjà, tu avais déjà bien dosé. Voilà. Mais il y a les pipi, non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vouloir t'expliquer. C'est non, pas c'est pas tort. Même pour Flore, là, c'est pas parce qu'on te dit de laisser que tu as tort. Et jamais. Ce que Flore t'a fait, je ne vais jamais la pardonner. Non, non, moi, moi-même, plus jamais, jamais la pardonner. Tu fais elle aller trop loin. Au bango. Tu suis elle jusqu'à demain. Même si demain je parle avec elle, l'histoire là, ça va caler dans mon dans ma gorge comme ça. Je veux pas ça. Elle va me faire trop au dos. Elle a menti les gens, c'est un mot. Cette affaire là, je dis que même si demain on recommence, on fait la paix, que nanani nanana, on parle la paix. Je veux jamais elle allait trop loin avec toi. Elle allait trop loin, maman. Et dit que ma maman de l'Union donc depuis que je suis rentrée de Paris, quand la femme m'a vu à Paris, ma mère, on s'est embrassé. C'est comme si cette femme a senti un truc sur moi. Quand je suis rentrée de Paris, elle a changé sur moi subitement. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Je n'ai pas compris. Merde. Je me pose la question, mais qu'est-ce que moi il fait tant que ça? Elle est sortie comme ça. Je vais te faire. Je ne peux pas laisser. Elle va se ressentir ça sur elle. Je vais faire la parodie de sa mère. Je ne peux pas la laisser. Je vais faire ça. Mon cœur va baisser. Si je ne fais pas la parodie de ta mère, je ne te laisse pas ça. Que ton cœur ne va pas baisser. Tu ne vas pas laisser. Non, mon Dieu. Venez mentir sur mon enfant que son père a fait des attaques sur ma fille. Vous racontez, vous dites que laisse. Mentir sur un enfant de 4 ans. Choupi, non, c'est pas ton enfant. Choupi, c'est même pas ton enfant. Hein? Tu n'as pas porté l'enfant, tu n'as pas conçu. Mais tu veux insulter une maman, tu es un enfant de ta. Il veut faire la parodie de ta mère, Ngoï. Il dit que tu vas sentir ça dans ton âme, dans ta chair. Ou que sentir. Quand même lever le matin comme ça, que ma tête va se disjoncter. Je fais la parodie pour acheter les panolines, les vieilles mamans, les panolines. J'ai tout acheté. Je vais faire la parodie sur ta maman, que tu me pardonnes. Tu vas sentir ça. Tu as trop fait le mal aux gens, trop fait le mal que dans ton essai. Trop. Et tu penses qu'il y avait peur de toi. Je n'ai pas peur d'une femme qui pisse comme moi. Non. Il ne peut pas te laisser. Je ne peux pas. Et Nicole, il y a autre chose qui m'a un peu dérangé par rapport à ton direct de l'autre jour. C'est le fait de dire aux gens, venez cotiser. Les gens ont mal compris. Attends, Nicole. Elle a dit que on met 2000 euros. Venez cotiser. Moi, tu sais qu'il y a les gens qui cotisaient dans ton truc, elle m'envoyait les captures d'écran. Je te jure, les gens qui ont cotisé dans ton truc, ils m'ont envoyé les captures d'écran. Oui. Maman fait des trucs comme ça. Non. Donc, pour dire que quoi, j'ai dit que mais attends un peu. Si, donc, Nicole veut que nous, on marche selon Flore. Non. Donc, c'est les gens ont mal. Il y a un peu la manipulation à un moment de la vie. Moi-même, j'ai compris comme ça. Je te parle parce que les gens. Les gens ont mal compris. Attends, je finis de te parler et puis tu réponds. Écoute d'abord. C'est très important d'écouter aussi. Ça t'aide à préparer ta réponse. Même le direct que tu vas faire demain, si tu n'as pas bien écouté, tu vas encore faire. Non, pas le direct, je vais faire la vidéo. Voilà. Ok. Donc, je te dis ceci. Moi, ce que j'ai compris dans ton message, c'est comme si c'est Flore qui donnait le ton. Maman, ça veut dire que ce qu'elle a dit. Nous, on doit obéir. Et toi, maintenant, tu viens nous mettre la pression par rapport à ça. C'est pour ça que même ça, ton litige, je n'ai pas partagé ton truc. Tu dis que, mais attends. Donc, Nicole pense que ce que Flore dit, c'est ce que moi, Ndoulé Miondo, je veux obéir. Tu comprends ce que Nicole dit. Je sais que beaucoup de gens, à femme, je ne sais pas toi, hein, moi, c'est ce que j'ai ressenti et ça m'a choqué. La fille dit qu'on cotise 2000 euros. Et Nicole aussi vient, commence à dire, venez cotiser. Elle a dit qu'on cotise 2000 euros. Les gens peuvent. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Elle dit que, mais non. Même s'il faut que je partage, même que les gens cotisent, je ne partage pas parce que ce n'est pas elle. Ce n'est pas parce qu'elle a parlé qu'on va faire ça. Les gens, c'est les gens qui ont ressenti l'envie de le faire. Ils vont le faire parce qu'ils l'ont ressenti. C'est pas parce qu'elle, elle a dit, elle, c'est qui. Donc, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Après, je sais pas comment toi tu as ressenti les choses. Ok.
Non, peut-être que tu sais que je vais faire une. Je vais faire sur le direct de AFAM. Je vais faire une petite vidéo tout à l'heure le matin. Ouais. Je vais me racheter, faire les mamans, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment bien, qui sont avec moi, qui me soutiennent, parce que comment ont mal compris mon sens, ouais. Tu vois. Peut-être le français, ou comment dire que tu parles à l'école aussi, peut-être qu'il faudra aussi. Tu vois. Ouais. Non, mais. C'est bien, il faut faire une vidéo. Les gens ont peut-être mal compris ton sens. Faire une vidéo après, vous avez fait une vidéo depuis, il n'y a pas le temps depuis, ouais. Non. Comment, on n'était pas sur Facebook, tu depuis pas mal de temps, sur le matin, le soir. Mais, comme ma grande, comme tu es angoyé, non. Voilà, tu es même pas même ton compte, donc tu n'es pas là, pas là. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure là, pour me rattraper, en fait, tu vois. Donc, les gens ont mal compris, en fait. C'est pas ça. Ça, Nicole, tu ne dois même plus faire des directs par rapport au PayPal. Afam de faire déjà. Oui, j'ai compris, maman, la valeur est assez. Exactement. Je veux parler de ça. Tu dois nous laisser que c'est nous qui faisons ça pour toi. Tu comprends, Nicole? Il ne faut pas te sentir intéressé. Même la baisse, ça, mais tout ce monde la faisait, les publiait ça. Ça refroidit tout le monde. Donc, laisse-nous, on publie ça. On sait ce qu'il faut faire. Ça l'énerve, hein? Merci. Je vais refaire une vidéo pour me racheter, demander des excuses si les gens, si j'ai été la sensibilité des gens, en fait. Elle a mal, la douleur de ça, sur le PayPal. Elle a mal, le membre. Moi, c'est même pour ça qu'elle fait la publicité, parce qu'elle sait que ça l'énerve. Elle est là, avec direct, elle voit quoi, elle parle. Elle dort dans tes lèvres, ma femme. Elle dort là-bas. Elle dort, elle est éveillée. Mambo, tu sais quoi, c'est aucun chauffe. Elle a envoyé ses lèvres, elle m'a insulté dans le premier live que j'ai fait. Elle dit que mes parties, même dans ce truc, je sais quoi ici. Ils envoient les caméras, ils veulent monter. Ok, maman, va aller, t'inquiète pas, t'as compris, maman. Parce que, voilà. Très jalouse. Je ne sais pas ce que tu lui dis, mais la jalousie que la Nala a envers toi, je ne sais pas trop. Maman dit qu'à Fabio, c'est que maman pour ma mère, maman. Elle veut que tu te mets à genoux, non. Elle veut que tu la supplies, que tu la vois comme le bon Dieu. Ah, Fabio, elle n'a pas à côté, maman. Elle dit qu'elle n'a pas à côté. Tu m'as gagné, tchatcha, maman. Elle veut te contrôler comme un contrôleur. Oui, non, je ne peux pas m'en parler. Laissons payer la chambre de Mopi. Quand les abeilles vont voir qu'elle est en train de. Quand l'histoire de Pharo était sortie, elle m'a appelé, elle m'a dit Nicole, ne te mets pas dedans. C'est un problème de famille. Non, c'est pas un marché de CEO. Pourquoi elle est partie supporter des Pharo? Pourquoi elle est partie se mêler? C'est quand elle a vu ma sortie qu'elle me suit, quand elle a vu ma sortie qu'elle a mal parlé à des paroles, que ça l'a dérangé, elle a un peu, ça l'a énervé. Elle a dit que dans la petite là, elle ne comprend pas. En fait, tu me commandes, maman. Mon Dieu. Maman, ma mère ne me commande pas. Une femme, une fille qui a beau ça, mon frère. Nicole, tu sais pourquoi? Parce que ça lui faisait plaisir d'écouter comment le grand frère insulte sa petite sœur. Oui, bien sûr. Ça lui fait plaisir. Et quand elle a vu que l'histoire s'est arrêtée, c'est là où elle est venue t'attaquer. Vous n'avez pas vu ça? Mais oui. Vous ne le disiez pas. Méchante la femme là, c'est gros habit. Quand elle a vu que l'histoire du grand frère et de la petite sœur s'est arrêtée, le frappement s'est arrêté. Ça l'a énervée parce qu'elle est restée dans sa faim. Elle est restée dans sa faim. Ce qu'elle voulait, elle n'a pas eu ça. Tout au contraire, maman Pépé, elle partait seulement en moto du go jusqu'à aller atterrir à Etoudi. Jusqu'à aller atterrir à Etoudi. Il lui fallait maintenant alors une poids. Elle a alors vu que dans l'école, c'est comme quelqu'un qui va aller acheter les avocats. Tu t'attends tous les avocats. Donc elle t'a touché, elle a vu que dans ces poils, je ne savais pas que tu allais faire ce que tu allais faire. C'est une femme qui marche avec les statues. Je vais aller aux extrêmes avec elle. Il était capable de publier sa vidéo où on met le tue dans sa bouche. Il est allé au destin avec elle. Il veut montrer à cette femme qu'elle est. C'est que tu as trouvé. Je peux faire ça. Elle sort du quartier. Comment dire qu'elle sort de Dorban? Moi, elle sort des quartiers difficiles. Elle avait pas d'un tassement. Donc, chez nous, on dormait quand même le soir. Il pleuvait chez nous. Donc, je suis quelqu'un que je connais la souffrance. Je n'ai pas peur de personne.
Tu vas aller aux extrêmes, comme ça, tu vas sentir ça dans ta chair, que le mal que tu as aux gens. Le mal que tu as aux gens de sentir ça. Et tu vas sentir ça dans ta chair. Parce qu'avec toi, tu vas te laisser. J'ai dit que. Ah, moi. Nicole, elle t'a négligé. Elle ne s'attendait pas. Elle ne s'attendait pas. Elle ne s'attendait pas, je te dis. Il te dit que maman de l'Emiondo, tu n'es jamais instruit son enfant, ta mère. Tu te juges la tête de ma vie. Tu n'es jamais instruit cette femme. Nicole, moi, je te crois. Nicole, je te dis que moi, à aucun cas, je ne doute de toi par rapport à ça. Merci beaucoup, ma mère. Dans Facebook, femme, dans Facebook, je te dis tout le monde. Nicole a son côté impulsif, mais Nicole, c'est un enfant qui est très, très bien élevé. Tu sens un enfant qui respecte les gens. Je l'ai toujours dit. Même si demain on se gâte, je vais toujours dire ça. Nicole, depuis qu'elle est sur Facebook, tu sens ton côté respect. Même si elle veut s'énerver, comment, le côté respect la domine toujours. Domine toujours. Tu sens ça. Le côté respect la domine toujours. Maman. Je l'ai toujours dit ici sur Facebook. Donc, pour dire que quoi? Ce que les gens ont dit que tu as framponné sa mère, c'est faux. On appelle ça que l'eau de consolation. Ils sont en train de chercher, comment justifier ce qu'ils ont fait. Serenity. Est-ce que j'ai bloqué Serenity? Je n'ai pas bloqué Serenity. Comment ça, je l'ai bloqué? Qu'est-ce que tu dis? Maman de l'Emiondo, tu ne sais pas forcément comment. Non, c'était une stratégie, c'était une stratégie, mais ça a raté. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai respecté la femme là. J'ai justifié. Et dans tout ça, Nicole, dans tout ça, ce n'était pas toi sa cible. C'était pas moi sa cible. Donc, on appelle ça que quoi? Tu es venu payer. Tu as pris les pots cassés. Et maman, en prenant les pots cassés, on pensait qu'on allait te casser, ni vu, ni connu, sans savoir que toi-même, tu es un autre poil ou... Attends, tu comprends pas, non? Elle n'a pas, vu Nicole venir. 4 jours sans se laver, mon frère. Les odeurs de ça. Ok, maman, elle comprend pas tuer son gars. Elle dit que j'ai les photos. J'ai les vidéos de ce monsieur. J'ai dit qu'il devait aller aux extrêmes avec la femme là. Ce que tu as dit sur ce monsieur-là est vrai. Mais tant quoi, est-ce que tu as encore fait marrer ça? C'est une lélé. Est-ce que tu as encore fait la marrer? Comment on dit là? Nicole, tu te souviens le direct? Ton direct là où tu as publié le monsieur là, une femme est venue monter. Tu as dit que c'est un combat pas, non? Tu as entendu comment quand elle parlait de ça, elle disait que Ngobopa était avec eux. Tu as vu que Ngobopa n'était pas loin, non? Voilà. Bien sûr. Donc c'est Ngobopa qui a appelé sur ton direct, elle a masqué la voix. C'est elle. Vraiment, C'est elle. Parce que même Ngobopa a fait semblant d'être avec elle, elle n'est pas avec elle. Oui. Et elle voulait comme ça te donner les balles en solo. Bien sûr. Que c'est un homme marié, il devait se marier, nanani, nanana, il venait comme ça te donner les balles en solo, au calme. Bien sûr. Facebook. Maman. Et je suis sûr qu'elle-même, elle a reconnu la voix là. Je suis sûr, c'est pour ça qu'elle a appelé son nom. Regardez, j'étais là le jour là. Elle dit que maman, actuellement, le monsieur là, actuellement, une poubelle, c'est le monsieur qui s'occupe de sa mère. J'ai dit que j'avais des. Ne m'appelez plus, Ne m'appelez plus. Comment un inconnu peut enlever quand il vient de finir la femme là, mon Dieu. Actuellement, le monsieur est dit actuellement, les chez elle, il est encore à la maison. Elle est sortie. Elle abandonne sa mère à un inconnu. Hey, non, il y a des filles encore. Et tu viens me dire que moi, je suis montée. Je vais m'aider des autres. Non, la femme si. Allô? Parti. Oh. C'est sûr qu'on l'a appelé. On ne peut plus jamais son mec. Je parle parce que votre Facebook là, à ta vue. Est-ce que. Dis donc. Oui, je vais débloquer. Alors moi, je ne sais pas qui l'a bloqué. Hein, mais je vais la débloquer alors. Je vais débloquer après. Mathé dit. Non, ils sont en train de me signaler. Ils veulent sortir mon compte de négociation que tu as fait. Tu as parlé de temps quoi? En quoi? Tu ne peux jamais la marier. C'est une. Actuellement, il est dans la maison. C'est lui qui s'occupe de ma Anna.
un inconnu, ta propre mère. Tu as mis ta soie sur le métal, parler de Nicole Kitchen. Non, mais il va être. Mais lui-même, il sait qu'il ne peut pas aller loin avec elle. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas aller loin avec elle. C'est ça la vérité. Est-ce que ça a quoi à voir avec toi? Ça n'a rien à voir avec toi. Ouais. J'ai une relation. Tu es trop perdu. Ta soie vient de te mettre. Tu te débloques, c'est quel là? C'est Nietzsche, oui, c'est Nietzsche. Mais pourquoi tu as bloqué? Moi, je suis même étonné. Je ne sais pas moi où je l'ai bloqué, mais je vais aller voir. Je suis étonné. Moi, je ne sais pas si. Donc, c'est pour dire aux gens que moi, je ne coupe pas dans mon combat. Mon combat, c'est rue. Je ne coupe pas dans mon combat. On ne coupe pas seulement parce que pour pipi. Tu sais que les gens sur Facebook sont tellement hypocrites qu'ils m'appellent au Nicolas, laisse, mais tu ne voulais pas faire pour pipi. Pourquoi? Non, mais parce que tu es trop dur aussi. Tu es trop dur. Non, elle a lu le. Ça a éteint ton blog. Elle a lu le. Elle a lu le. Elle a payé le prix. Quand les gens viennent te voir, ils viennent, tu es en train de parler de ça. Ah, Nicolas ne dit rien de bon. Et encore. Donc, c'est pour ça qu'il faut être stratège. Même dans le combat, s'il faut être stratège. Oui, oui, c'est stratège. Il faut être stratège. La musique, c'est le soir, donc j'ai tout le temps de dormir le matin. Dès que les enfants vont à l'école, je dors jusqu'à 7h pour aller les chercher. Mais maman, elle me l'a fait là-bas chez vous, c'est bien là-bas, elle dit, c'est bien jusqu'à toi, maman, tes amis, t'es prêt là-bas, c'est bien, c'est bien d'être en famille, je te dis. C'est très important, ma fille, je te dis, c'est pour ça que maman, toi-même, de temps en temps, il faut, mais tes gens-là, je les fais plus confiance. Tes gens-là, vraiment, ils m'ont trop dessus, Nicole. Avant, demain, ils m'appellent de Facebook. Non, ce n'est pas question de Facebook. Moi, je ne sors pas avec les gens de Facebook. Je parle des gens, tes amis, quoi. Mm-hmm. Parce que même ta copine, là où ta mère parlait avec elle sur WhatsApp, elle a filmé ta mère, là, elle a donné un choupinette. Est-ce que ta mère était dans le direct? Attends, ma mère est dans ton direct. Je dis que. Oui. Tu n'as pas vu la vidéo que Choupinette a publiée sur son direct où ta mère est en train de parler avec une personne et la personne filmait. Ah, la vidéo là, rêve bine avec cette vidéo. Parce que quand ma mère vivait encore, je suis une fan de pipi. Ma mère nous voit encore là-bas. Ils ont filmé ma mère quand ma mère parlait avec une personne. Ils ont filmé ma mère à. Attends, ce n'est pas ça. Attends, je t'explique. La vidéo, là, ta mère était en train de parler sur WhatsApp. Et la personne là a posé le téléphone sur la table. C'était une fille. Elle parlait il y avait un monsieur qui parlait aussi à côté. Et oui, on filmait. Oui. C'est ça? Moi, je ne connais pas. Attends, moi, je ne connais pas. Ma mère parlait avec une amie sur WhatsApp. Ouais, Nicole, donc tu ne connais pas ça? Moi, je ne connais pas. Ta mère parlait avec une personne sur WhatsApp. Et oui. La personne là, ça doit être tes amis qui sont ici en Bénin. En Allemagne, ma mère m'a dit que c'était une amie qui vient en Allemagne. Elle m'a dit que ma copine n'allait plus. Voilà. Et ta copine là parlait avec elle sur WhatsApp. Elle parlait avec ta mère sur WhatsApp. Elle filmait ta mère. Donc elle filmait le téléphone de ta mère. Tu vois comment je suis sur le téléphone là, non? Parce que. Oui, parce que ma mère, ma copine là, parlait avec ma mère sur Messenger. Donc, voilà. C'était une autre personne. Elle était sur Messenger. Elle était en vidéo. Non, elle était en vidéo. Ta mère était en vidéo. Va chez Choupinette, tu fouilles ça là-bas, tu vas voir. Elle a publié ça et tu vas entendre la voix de la personne qui parle, tu vas reconnaître la voix là. Et c'est une personne qui est dans ton entourage, qui ne fait pas les vidéos dans Facebook. Et moi, j'ai soupçonné ta copine. Non, c'est la voix d'une femme. C'est une fille, qui parlait avec elle. Et il y avait un monsieur qui parlait aussi à côté, mais c'est la femme qui parlait beaucoup. On a posé le téléphone sur la table. Ta mère parlait. Elle était en vidéo.
Choupinette mais, a pris ça, elle a publié ça dans sa page. Mais, Flore, mais c'est quel méchant, c'est quel haine ça. C'est pour ça que je dis que fais attention à tout ce monde-là. J'ai bloqué tout le monde, j'essaie de bloquer, oui. Mais je connais ma copine. Oui. Elle vient en Allemagne avec son mari. Oui. Elle a filmé ta mère en vidéo, elle a filmé. Maman. Son mari, c'est un blanc ou c'est un noir? Son mari, c'est un noir. Voilà, c'est que c'est elle là, non? C'est elle. Parce que le monsieur qui parlait à côté là, c'est un noir. Karen. Oui. Elle s'appelle Grace. Donc c'est Grace qui me prend comme ça sur Facebook. T'arrêtes. Ta mère m'a appelé le nom. Elle a plus d'un nom. Elle a Karen, il y a Grace. Elle vient en Allemagne, non? Ma copine. Donc c'est elle qui me prend comme ça sur Facebook comme ça, maman. Tu sais, qu'on a grandi au quartier ensemble. On a même fait le Nigeria ensemble comme ça, mon frère. Mon Dieu, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne, maman de l'air. Mais comment les fils, comment l'homme d'être humain peut être mauvais comme ça? Comment tu peux être méchant comme ça? Donc elle pensait faire ça. Me déstabiliser moi. Tu peux pas me déstabiliser ma chérie. Tu vas sortir tout ce que tu connais. Où ça a été publié, maman? Mais Nicole, écoute, Nicole, tu l'as confié, c'est sûr, tu lui as dit des choses. Donc sache que beaucoup de choses que Flo a parlé, elle lui a parlé. Quand elle a, je sais bien, je confie pas cette fille. Elle a peut dire, c'est ma vie. Je l'ai dit, mais les gens ont su comment on est bien fait à vous. Je vais poser la question à la table. Ce n'est pas toi qui me bats. Non, c'est pas moi. Même coup. Donc tu n'avais pas vu ça. Mais tu sais que moi, depuis la fête du Sud, moi j'ai pu regarder les directs des abeillons là. J'ai bloqué celle-là, j'ai appliqué dans le noir là. Elle est bloquée, non. Elle a alors publié ça, c'est dans sa page. Merde. J'ai demandé à quelqu'un d'aller me donner. Si c'est la voix de Karen, si c'est la voix de Menko, si c'est ta voix même, si c'est ta voix même qui est dans la vidéo, c'est la Karen. C'est elle. Je vais te faire une merde. Tu n'as pas honte, maman. J'espère que ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Elle. Je dis que c'est elle. C'est pour cela que je t'ai dit, ça j'ai fait mes défaits, j'ai insulté même ton entourage parce que j'ai compris que c'est ceux-là qui te vendent ta vie. Oui, c'est elle. Non, il y a ma maman parlait de ça. J'ai débloqué tout le monde. J'ai débloqué toutes les filles. On était trois filles. Nicole, oui maman, je vais chercher ça, je vais te montrer ça tout de suite. Oui. Cherche maman, cherche. Je ferme le micro pour ne pas déranger le direct. J'ouvre la tablette. Merde. Sorcière, tu es une sorcière maman. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi, ma chérie? Tu veux gagner quoi en faisant le mal aux gens? Mais tu pensais venir installer ma vie, mentir sur moi, mentir sur ma sérologie, mentir sur moi, que je vais faire profiter. Tu ne peux pas quitter Facebook, Menko. Je ne te dois rien, ma chérie. J'ai combattu pour toi. Pardon, envoie-moi la. Karen. Mon Dieu. C'est toi qui me fais ça, maman. Maman Nicole, c'est une guerrière, une bosseuse, maman. Je me suis toujours défendue seule, j'ai vécu seule. Hein. Je n'ai pas compté sur quelqu'un jamais de la vie. Tu as fait quoi? Tu as donné à maman Bo. Maman Bo m'a fait quoi? Ça a fait quoi sur ma vie? Ça n'a rien fait. C'est toujours Nicole Ketcha, ma chérie. C'est pas bien, c'est la plus méchanceté. Si l'abbé connaît ça, tu es venu me trahir sur Facebook. Si l'abbé Paco connaît ça, tu es venu me trahir sur mes téléphones. Tout le monde ne s'est pas connu dans les boîtes. On s'est connu à l'église. On s'est connu à l'église, ma chérie. Comment tu peux faire un truc comparé comme ça, maman? C'est pas bien, c'est méchant, en fait. Non, maman. Donc c'est toi qui me vendais comme ça, mais. Mais, maman. Je fais même tellement rien. Nicole, que chacun met ma chérie, tu vas arriver. Albéry, maman, j'arrive tous les jours, mon frère. J'arrive, je suis une bosseuse. C'est comme moi, j'ai là. C'est comme la jalousie et la méchanceté. Karen. C'est la jalousie et la méchanceté.
Et tu Dieu va te faire payer, ma chérie. Dieu, le karma est de pire. Il va te faire payer tout ce que tu as, tout le mal que tu as comporté contre moi. Le mal que tu as comporté contre moi. Dieu va te faire payer. Tu vas manger ta peau. Tu vas manger ta peau, boire le sang avant de mourir. C'est moi qui te dis. Sorcier, maman. Non. Donc tu pensais que tu vas aller ma mère te donner ça en goye Satan. Et ça va faire quoi? Laisse-moi écouter la voix de la personne. Je connais la voix de ma copine, non? Je connais sa voix. J'espère que ce n'est pas toi, Menko. Si c'est toi, Emma. Hey, maman. Être humain, méfiez-vous, hein. Être humain, méchant, hein. Être humain, méchant. Je ne suis même pas encore arrivé. Non. Vous pleurez, il y a ma petite autorité sur Facebook, là. Pas te comporter contre moi pour me finir. Non. Menko, quand tu poses ma mère sur WhatsApp, tu envoies, tu filmes ma mère sur WhatsApp pour envoyer sur Facebook. La vérité va sortir. J'espère, Karim, j'espère. J'espère que ce n'est pas toi, Menko. Tout ça même pour quoi même? Pour gagner quoi dedans? Pour faire du mal à Nicole? Vous dormez, quand vous faites même du mal, quand vous faites même du mal aux gens, vous dormez même le bon sommeil, maman. Quand vous faites du mal aux gens, vous dormez même le sommeil. Vous dormez même le bon sommeil, quand vous faites du mal aux gens. Après, le karma va attraper vos enfants. Vous allez dire, oh, mes enfants. Après, le karma va attraper vos enfants. Hein? Après, le karma va attraper vos propres enfants. Merde. Pêche, non. On te pose la question, comment était fait quand tu as dit comment était fait quoi, maman? Était fait quoi, maman? Rien. Non, c'est Dieu qui a voulu que moi je sois ici. Hein. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Coïncidence. Attends, la fille ne parle pas encore. C'est ta mère qui parle. Attends. Mm-hmm. Ma mère, s'il te plaît, docteur, elle n'est jamais devenue contre toi. Non, quand ce docteur fait sortir sur toi, je suis désolée. C'est à cause de ta fille. Tu as entendu la voix de la fille? Ta fille est sur ton mari. Ta fille a tout gâté. Elle a rapporté n'importe quoi, ok, maman? Je suis désolée, il y a trop de choses à faire. C'est parce que vous êtes sa maman, la maman de Nicole ne peut pas comprendre beaucoup de choses. Lors de l'île, a dit 2024, mois de l'âge de la paix. Elle est désolée de quoi on a dit, je suis désolée. Ok, maman? Les gens rapportent n'importe quoi. Si les gens arrêtent de parler de fleurs de l'île, faut dire qu'elle sortira la scarité. Elle est là, elle se concentre pour son événement. Ok, maman? Voilà. Quand tu dis ce que tu veux entendre, si les gens apprennent à te dire la vérité, c'est tout ce que j'ai à voter, maman. Ok? Tu vois que ta maman est en vie. Bon, merci et bonne soirée à vous. Non, c'est pas ma copine, c'est pas ma mère. Ma mère passe son temps. La personne que ma mère a appelée, c'est un qui a appelé la personne de temps.